Salut à tous, c'est La Salle, bienvenue dans une vidéo dans laquelle je dois respecter la loi dans GTA V. Donc, je vais commencer en véhicule, je dois tout simplement respecter la loi. Toute la loi, hein, pas que la loi à bord d'un véhicule. Et pour ça, bien évidemment, il y a quelqu'un qui va, enfin, il y a un inspecteur qui va, qui connaît la loi par cœur. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un inspecteur, un président, un ministre, je sais pas ce que c'est, mais il est là, en tout cas, il est en face de moi. Et il va me sanctionner hein, quand je ne respecte Bonjour, pas monsieur. la loi. Bonjour. Bonjour, monsieur Lassalle, c'est ça? Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous demande de monter dans la voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité. Hein? Donc là, Let's on est go. sur un parking privé, faites attention parce qu'on est en pleine journée, donc il est midi. Donc forcément, il y a pas mal de personnes qui vont manger, etc. Hein, Ouais. c'est la pause dîner, donc on fait attention aux piétons. Hein? Alors, je Et vous rappelle les limites de vitesse ou vous connaissez votre code? C'est... Alors, je connais, 70. mais... Ouais, je veux bien un rappel. Alors, c'est... alors, déjà, vous venez de dire un feu rouge, monsieur. On est aux États-Unis, on a le droit. Ah non, c'est interdit de le feu, monsieur, devant vous, là. Vous voyez, tout au fond. Ouais, mais on a le droit de C'est... tourner à droite, non? Ah, mais c'est rouge. Oui, ça... Alors ça, je suis au courant, mais... Ouf, mais aux États-Unis, on a le droit de tourner à droite, non? Quand c'est rouge. On a le droit de tourner à droite quand c'est rouge, mais ici on est en France, monsieur. Ah, on est en France. Ok, ah bah je pensais que c'était Los Donc, Santos. En fait, c'est quoi? là, C'est... je vous dis rien, hein, je vous dis rien, mais prochaine fois, voilà. Donc, Donc c'est 70 quoi? déjà. Si c'est pas Los Santos, c'est quoi du coup? On est en France. Tout simplement, on Ah, tout respecte le code simplement. Ah français. oui, la ville, elle s'appelle France. Ok. On est à Los Santos, mais c'est... Voilà, donc là, c'est vert, hein. Vous connaissez quand même, vous n'êtes pas daltonien. Non, tranquille, hein. Du coup, c'est limité à combien en ville? 70 en ville et stop, 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 stop! Quoi? Non, bah, vous comptez freiner quand en fait? Bah j'ai freiné là, hein. Le passage piéton, il est à 2 mètres devant. Oui, il est à 2 mètres devant, mais vous avez limite un freinage d'urgence que vous avez fait là. Imaginez, il y a une personne qui traverse comme ça. Vous faites comment? Eh ben, je freine. Et je l'écrase Mais oui, pas. heureusement que j'ai appuyé sur le frein, monsieur, hein, parce que là. Mais Donc quel frein, moi 70, je... hein. 70. Mais quel frein, moi je vois pas de pédale de l'autre côté, hein. Mais si, monsieur, c'est juste que vous êtes au courant, vous êtes dans une voiture d'auto-école. Ah bon? Distance de sécurité, vous connaissez? On vous l'a appris quand même dans le code de la route. Bah ouais, 1,50 m entre les voitures. et comment on peut déterminer je suis à combien de mètres? C'est approximatif, c'est à peu près un trait. Vous voyez le trait là, les traits blanches? Ouais. C'est à peu près ça, un, deux traits, un et demi, on va dire. Mais du coup, là, je vais où Voilà. je veux, en fait. Alors là, pour l'instant, je vous laisse suivre l'itinéraire. Donc là, vous allez continuer tout droit, ok? Ouais. D'accord? Et quand je vous demanderai de tourner à gauche, vous tournez à gauche. Donc là, pour l'instant, vous allez tout droit, parce que Ok. vous ne pouvez pas prendre à droite, bien évidemment, c'est un sens interdit. Interdit Donc par la au droit. loi ou... C'est un sens interdit. Ah, j'ai pas fait exprès. Bah, j'ai pas fait exprès, c'est un déchet que... Vous C'est un foutez de ma déchet. gueule là. Ah bah non, parce que j'avais une bouteille sur le côté. Et Non, j'ai mais du coup j'ai. Mais ils sont garés là, je peux alors déjà dépasser. vous mettez ma bouteille d'eau déjà pour commencer Ouais monsieur. voilà, c'était une C'est ma bouteille bouteille d'eau. d'eau. Et mais prof l'acheter, vous avez demandé de l'acheter déjà, il en reste un tout petit peu. J'ai pas fait exprès, je voulais la poser sur le côté, la fenêtre elle était ouverte. Bon, là on va effectuer. Alors vous allez tourner à votre gauche. Donc À malheureusement là je gauche. pense que vous ne pouvez pas tourner, donc vous allez continuer tout droit. Non non non! Vous faites Ah quoi? tout. Bah gauche tout droit moi je sais pas Mais quoi ça va faire pas? hein. Mais tu Bah fais il faut quoi que... là? Mais je dois aller à gauche ou tout droit? À quel moment vous tournez comme ça à gauche? Vous êtes complètement malade. Bah j'ai entendu tourne à Oui, tournez gauche. à J'ai gauche, mais il y a tourné. des gens à gauche. Vous avez vu, il y avait deux personnes à gauche. Et après j'ai entendu non, faut pas aller à gauche, faut aller tout droit. Bon, c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous avez commis pas mal de fautes là, depuis tout à l'heure. Une. Vous savez ce que c'est? Non, 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 plus d'une, plus d'une. Déjà là, ce que vous venez de faire, vous avez doublé par la gauche. C'est interdit, ça, vous êtes au courant. Vous J'ai avez doublé. franchi la ligne continue. Ah bon? Ah oui, monsieur. Ah Bon, j'ai pas fait gaffe. là, hop. Non, il n'est pas vert pour vous. Il n'est pas vert pour vous. Je me Mais suis vous voyez arrêté pas ou avant. quoi? Là, là-bas, là, regardez le feu tout à gauche. Est-ce qu'il est rouge? Il est vert. Il est Il est rouge. rouge, voilà. Est-ce qu'il est vert?
il est rouge. Voilà. Oui, mais là, donc, ça va, attend, je suis bien, non? Enfin, je veux dire... Là, vous êtes sur un passage piéton, pour commencer. Bah, et là, alors, attends. Hop, là, je suis plus sur le passage piéton, là, c'est bon. Déjà, c'est interdit de déraper. On n'est pas dans... Là, c'est... vous faites du drifting, c'est interdit en ville, ça, monsieur. Ok, mais j'ai le droit de rien faire ici, ou quoi? Allez, hop, là, c'est vert, vous pouvez traverser, c'est votre tour. Tout simplement, okay. Monsieur, on respecte le code. Vous êtes pressé? Vous avez un rendez-vous important? Non. Vous devez... Ben non. Ok, je vais me concentrer, ok. Ok, alors là, on va tout simplement... Voilà, donc là, le fait vert, vous continuez tout droit, tout simplement. Ok. Alors là, je vais vous demander d'aller tout droit, ok? Vous allez continuer toujours tout droit. Alors là, vous êtes passé au feu orange, vous êtes au courant que le feu orange, c'est interdit de passer. Non. Enfin, pas... on a le droit, je crois. Donc là, vous allez... alors attendez, parce que là, il me semble que vous êtes sur une ligne continue, vous ne pourrez pas doubler. Vous allez aller à gauche, ok, mais pas maintenant. Donc on va faire un demi-tour, on va passer par un petit quartier. Donc là, vous allez tout droit, c'est bon, vous pouvez y aller. Ah bon, c'est pas pour tourner à gauche là? Non, okay. Non, on peut y aller, il n'y a personne. Ok, moi je respecte. En fait, je respecte l'inspecteur. Effectivement, là vous allez à gauche, hop, gauche, et là vous allez stop, vous allez tourner à gauche dans le quartier là. Alors faites attention ici parce qu'il n'y a pas. Alors attendez avant de rentrer. Alors faites attention ici parce qu'il y a pas mal de piétons, hein. Donc c'est un quartier assez, voilà, un quartier populaire comme on appelle chez nous. Donc c'est forcément, une zone 30. Voilà, c'est 30 km/h, hein. Donc il y a pas mal de personnes qui peuvent traverser à tout moment, il y a des enfants, etc. Donc faites attention. Ok. Wow. Ah ok. J'ai wow. Pas. Wow. Ah bah oui, je vous ai dit, c'est un quartier populaire. Donc forcément ça. Sauf que j'ai le droit de doubler. Wow. Allez-y, on peut doubler. Parce que c'est la ligne n'est pas continue, hein. Oui. Alors là, vous allez aller à votre, vous allez bah rentrer dans sur la route, d'accord. Et ensuite vous allez aller sur l'autoroute, d'accord. Ouais. Donc sur l'autoroute droite. C'est 130, donc tranquillement. Voilà, hein, c'est 130, on respecte la limite. On n'est pas dans un contraste. Là, je peux avancer jusqu'à la ligne jaune. Là, vous pouvez avancer jusqu'à la ligne jaune, allez-y. Tranquillement, voilà. Et on attend notre tour. Oh, ça va mettre 20 ans. Ah, c'est bon. Voilà, hop. Oui, bah, oui. Et là, vous allez à droite, tout simplement à droite. Voilà. Ok. Hop, vous rentrez à gauche, voilà. Oula, mais... Bah, entre le moment où j'entends à gauche et le moment où je tourne, bah, c'est ça, hein. Bah, c'est ça, mais vous venez de franchir une ligne qu'on appelle une ligne zébra. Donc, C'est pas trop de ma faute, hein. Ok, donc c'est 130, hein, je vous le rappelle quand même, parce que je vois vous accélérez, là. Bah, là, je suis à 110. Ok, donc vous roulez, stop, là vous allez aller à droite. Hop, voilà. En fait, j'essaye de faire ce que je peux avec les indications que j'ai et c'est pas facile. Pardon, excusez-moi, mais j'ai eu un fou rire, excusez-moi. Vous allez tout droit. Ok, tout droit. Sur l'autoroute. Alors, par contre, là, monsieur, ce que vous venez de faire là juste avant, j'ai eu un fou rire, mais c'est parce que je me suis emporté. Vous êtes au point que c'est très grave. Mais j'ai fait quoi? Vous venez de doubler déjà par la droite, ce qui est totalement interdit, et vous avez franchi trois lignes d'un coup, comme ça, en mode go fast. Bah, vous imaginez le danger, là? À droite, on va à droite, vous allez suivre le panneau Downtown Winwood, là, S Winwood, tranquillement. Wow, ah oui, Faites attention! J'ai vu, je... Bah, c'est une manifestation, apparemment. Faites attention. Alors, on est à côté du casino, donc en fait, ce soir, il y a un défilé. Ah, c'est pour ça? Ouais, c'est pour ça. Alors. J'ai cru que c'était une manifestation de mimes. Du coup, je peux passer, hein. Ouais, alors, là, on va aller près d'une forêt. Donc, faites attention, vous connaissez en forêt, hein. Ouais, je connais la forêt. D'accord. Alors, vous allez aller à gauche, à l'intersection. Stop, on s'arrête, le feu est rouge. Donc, déjà depuis tout à l'heure, vous avez enfreint je ne sais combien de lois. Donc à gauche. Alors par contre, les dérapages, on évite s'il vous plaît. Eh ben, c'est le véhicule pourri que j'ai, hein.
Ah, mais vous dérapez là, monsieur. Dès que j'accélère, comment il dérape. Comment ça, véhicule pourri, Comment ça, véhicule pourri? Bah, le véhicule d'auto-école, il est... Il est quand même... Dès que j'accélère, attends, voilà, il dérape. Alors vous, jeune permis, vous allez arriver dans une RS3, dans une RS6... jeune permis, vous êtes au courant, vous n'avez pas le droit. Je peux même pas accélérer sans qu'il dérape. Déjà, là, c'est un stop. Donc, un stop, on se... Stop. On s'arrête. Bah, je me suis arrêté, mais maintenant, je comptais y aller, quoi. Mais je sais pas où. Gauche, droite, devant. Alors là, vous allez à la droite. Ok. Tranquille. Et on va rouler. Voilà, tout droit. Alors, par contre, monsieur. Ouais. Tranquille, non? Sur la vitesse. Bah, on n'est pas en ville. C'est 70, monsieur. On est dans une agglomération. C'est 90, pardon. Agglomération. À 90. C'était pas précisé, voilà. Quand même. Hein. Et là, vous étiez à 110. C'est pas précisé, okay. Mais vous connaissez votre code de la route quand même. Je vais pas vous l'apprendre. Vous avez votre code ou vous avez pas votre code, vous? Non, moi j'ai le permis. Hein. Comment ça, t'as le permis? Vous avez le code. Mais j'ai pas le permis de cette ville. Je connais pas cette ville en fait. D'accord, ok. Mais moi, je croyais qu'on était à Los Santos. Visiblement, on est en France, donc je connais pas trop. On est en France, c'est 90. Hein. C'est pas 100, je sais pas combien. Hein. Regardez, les gens devant vous. Vous connaissez les gens là. Regardez, ah. Vous avez vu le panneau à droite là? Ouais. Enfin, non. D'accord. C'est un chevreuil, donc faites attention parce qu'ici il y a des animaux. Ah, là c'est un cheval. Ouais, là c'est un cheval. Parce que parfois il y a des gens qui font de la randonnée en cheval. Donc tranquille. Bah, devant ils se collent, hein. Alors ils ont pas leur permis. C'est pas notre problème. Bah non, mais je veux dire, ça veut dire qu'il... Là, regardez, c'est quoi, vous avez vu? Bah, c'est limité à 60, c'est pas 90. C'est limité à 60 parce que là, justement, on arrive dans une zone, dans une ferme, près des fermes. Regardez là, vous avez vu à votre gauche? Doucement. On les a vus, attends. À la droite. Ah, ok, I'm sorry. Voilà, c'est 15. Hein. Ah, ici, c'est 15. Peu. Alors, 15... C'est... Bah, je peux pas rouler à 15 en fait. Enfin, c'est pas que je peux pas, mais 15 c'est. Wow. En fait, attention, on freine. Waouh! Et je fais comment? J'ai le droit de klaxonner, non? Non, on fait interdiction de klaxonner juste en cas de danger. Bah là. Non, déjà... C'est un peu un danger, non? Vous attendez, ils vont partir tranquillement, c'est des animaux. Vous êtes pressé? Ils vont partir, tranquille. J'ai klaxonné, ils sont partis. On roule tranquillement, voilà. Là, on respecte les 15. Hein. Vous respectez les 15. Et appuyez pas sur la pédale. Hein. Wow. 15, monsieur, 15. Ah, des fois, je suis à 16, mais... c'est pas fait exprès, en fait. Tranquillement, on roule. J'essaye, hein, mais je... Ah, je sais pas qui va vous donner le permis, mais en tout cas, pas moi. Hein. Bah, pour l'instant, je l'ai, non? Ah, pour l'instant, vous êtes un danger ultime, pour l'instant. Ah, bah... Regardez. C'est quoi, ça? Bah, c'est pas... Il y a des trous dans le sol. Mais comment c'est, il y a des trous dans le sol? C'est 15, c'est pas 25. Bah, ouais, mais quand j'ai voulu accélérer pour passer le trou, bah, hop, 25. Voilà, on roule, on respecte la loi. Oh, monsieur! Bah, ça dérape. Non, okay. Mais je vais vous faire garer, hein. Je vais reprendre le volant. Non, mais là, ça va, je respecte. Hein. Bon, prochaine en fait, fois, je vous prends le volant. J'ai pas de limitateur de vitesse sur ce véhicule pourri, et c'est ce qui complique les choses. Quoique le limitateur alors, de déjà, vitesse, c'est au-dessus de 30. Ouais, c'est vrai. C'est pas un véhicule pourri. Là, vous allez à la droite, ok? Ouais, ok. C'est 60 km/h. Bah, je suis à 56 là. Là, le panneau il vous dit. Vous étiez à 80 il y a un instant. Mais c'était le temps de lancer le véhicule. Mais comment ça, lancer le véhicule? Non, mais je veux dire, le temps qu'il se lance quoi. Bah, en fait, je vous suis. Non, mais attendez. Attendez, parce que là, il y a un petit problème. Moi, j'économise l'essence, c'est tout. Donc, je l'ai lancé, après, je l'ai mis au point mort et je l'ai laissé descendre. C'est juste une économie, quoi. Oh putain, vous me faites rigoler, monsieur. J'ai jamais eu un élève comme vous, hein, sachez-le. Ah bah. Waouh! Il a grillé le stop.
Ah bah oui, il a grillé le stop. Il a grillé le stop, forcément qu'il a grillé le stop. Alors là, on va rouler tranquillement, d'accord? 60, hein, je vois que vous êtes à 69 depuis tout à l'heure. Ah bon? En fait, Moi vous je en vois. profitez pendant que je rigole pour Ah. bombarder, quoi. Il y a un petit 60, 60. problème. Il y a un canard. Bah oui, il y a des canards, on est près du lac de Trébor, donc il y a des canards qui traversent, donc on fait attention. T'as son. Le klaxon! Bah, on n'est pas en ville. Mais c'est quoi le rapport? En Bah, cas de danger. c'est Vous un klaxonnez un danger. animal, vous allez lui faire peur là. Bah non, c'est pour l'aider. Justement, c'est pour pas qu'il se fasse écrire. Ah. Et ben voilà. Et ben voilà, vous lui avez fait peur, regardez maintenant. Ah bah c'est bon, il est plus là. Ok, je peux continuer. Ok, tranquille, on roule. Là, on va arriver en ville. Non Donc le mais, stop, on se stop. le problème c'est que je vais où? Là, vous allez tout droit. Bah, quand je vous dis pas un truc, vous allez toujours tout droit, monsieur. Ok, alors je vais quand même expliquer le problème parce que là, il y a quelqu'un qui a mis une transmission sur le véhicule incroyable et c'est à cause de ça que je vais trop vite des fois. Mais vous roulez doucement, vous appuyez doucement sur l'accélérateur. Si vous accélérez à fond, vous appuyez vite, forcément, le véhicule va rouler vite. Ah. Ok, donc là, on peut rouler tranquillement, il n'y a pas de limite, donc c'est 90. Est-ce que je peux vous faire écouter la transmission qu'il a mis? Wow, Allez-y. il y a quelqu'un qui s'est évadé de prison. Il y a un Ah oui, bah prisonnier oui, qui s'est forcément, évadé de prison. oui, on est à côté de Incroyable. la. Bah oui, monsieur, on est à côté de la prison, c'est pour Est-ce que ça. je peux, est-ce que je peux vous faire écouter la transmission et vous me dites si c'est ça? Allez-y. Ok. Écoutez. Oh, stop, Ah stop, ben, stop! c'est vous qui m'avez autorisé. Écoutez la transmission, vous pouvez me la faire écouter. On arrive en ville, c'est 50, d'accord? Ah oui, là, ouais. Là, on est en fait, je vous explique, on est au Texas, donc au Texas, c'est 50, c'est pas 70. Ok, Là, vous allez aller à bah. droite. Hop, voilà, stop, et vous allez faire un créneau derrière le camion. Waouh. Ok. Alors, un créneau derrière le camion. Hop. Alors, on vous a appris à faire un créneau ou pas? Parce que. Bah oui, comme ça. Comme ça. J'y Alors, ça, suis. c'est. Là, imaginez, il y a un véhicule derrière, vous l'aurez touché depuis longtemps, vous êtes au courant. Ah, un créneau sans toucher le véhicule derrière. Bah là, il n'y a pas de véhicule derrière, donc ça va. Mais avec un véhicule derrière. Bah, Oula! je peux recommencer ou. Attention, 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 faites attention. Quoi? Ah, il y a Ah, un vous voyez pas le bus, là? bus. Si. Ah, je crois qu'il cherche le prisonnier, à mon avis. Ah, il arrive. S'il vous plaît! S'il vous What? plaît, bonjour! Oui, s'il vous plaît, que je J'ai dois-je besoin d'aide, faire? s'il vous plaît! S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide! S'il vous On n'a plaît! pas. Moi, je sais pas quoi faire là, je S'il vous panique. plaît! S'il vous plaît! Accélérez, accélérez, accélérez! Stop, stop, stop! 50, 50, 50, 50, 50. Mais Ah, là, il y c'est a pas possible. non-assistance à personne. Allez-y, allez-y, ne vous inquiétez pas, il sait faire son métier. Ok, d'accord, nickel, merci. Ouh! Ouh! Alors, là, on va effectuer ce qu'on appelle une coupe. D'accord? Bah, est-ce que je peux vous montrer un créneau déjà? Vous allez prendre à droite. Quand? Là, maintenant. Voilà. Et là, Wouhou! vous. Ça décoiffe! Tranquille, quoi. On roule tranquillement. Voilà. Faites attention à ne pas abîmer le véhicule. Là, vous Ok. allez toujours tout droit, toujours tout droit. Tout droit? Oui, bah tout droit quoi. Vous faites quoi là? Bah, tout droit où? Mais il y a un chemin de fer là, vous êtes au courant. Bah oui, mais à droite alors, non? Allez à gauche maintenant. Bah, du coup, maintenant vous faites un demi-tour. Mais qu'est-ce que vous faites là depuis tout à l'heure là? Je vais à gauche. Mais c'est interdit de déraper le véhicule comme ça. Regardez, vous vous amusez le chaussée là. Ah oui, j'avais pas vu. Du coup, je vais à droite ou à gauche? Voilà. Tranquillement, on Wouh! roule. Restez. Tranquille, tranquille, tranquille. Vous êtes Bah oui. pressé ou quoi? Non, c'est parce que il n'y a pas de limitation. C'est 90. C'est Ah, c'est 90. 90. Ok, j'ai pas vu. Voilà. Allez-y, 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 foncez, 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 foncez.
Non, mais foncer, pas accélérer, je vous ai pas dit. Ah, j'ai pas. Là, ok. Ok. Tout droit. Là, vous allez à droite. Ok. Oh, bah, il a été dangereux. Alors là, lui. On va mettre de l'essence, on va mettre de l'essence, on va mettre de l'essence à droite. Voilà. Donc, montrez-moi comment on met de l'essence. Ok. Alors, on descend de la voiture. On prend le. On prend. Oui, allez-y, mettez-le. Ensuite, on vient ici. Et hop, et on met les. Ouais, il est du côté là ou de l'autre côté? Il est à droite. Il est à droite, effectivement. Et là, glou 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 glou. Ça y est, voilà. 20 balles. Bah, j'ai mis, j'ai mis le plan parce que c'est pas cher. C'est. Ah, mais oui, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est 2,93€ le litre, ça va, non? Oui, ça va. Par rapport à la France, ça va. Là, j'ai mis le plein, on en a eu pour 960€. C'est bon? C'est bon. Ok, bah on peut y aller. Bientôt, mais. Heureusement qu'on n'a pas un camion. Hein. Alors là, vous allez prendre à droite. Bon, hein, petit plaisir, je vous fais un petit plaisir, allez-y, vous pouvez accélérer ici. Oh, parfait. Je ne fais pas à tous les élèves, mais je le fais à vous parce que vous êtes... Ah, mais c'est voilà. Trop bien, on peut tester la vitesse du véhicule, j'adore. Effectivement. Oh, il a de la patate, hein. Voilà, tranquillement. C'est un petit plaisir, je ne fais pas à tous mes élèves. Hein. Attention quand même, on n'est pas... On n'est pas à Disneyland, je sais, mais je sais pas, ça bon, m'a... Ça reste entre nous. Attention. Oh, c'est la police. C'est la police, vite, qu'est-ce que je fais? C'est interdit d'aller ici. Allez-y, accès. Bah, arrêtez-vous. Ah, bah, la police va moins vite que nous. Qu'est-ce que. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais là, concrètement? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, hein, monsieur. On s'arrête. Sûr? Oh, pas de regret? On s'arrête, ok, pas de regret. On s'arrête. Bon, bah, je m'arrête. Aïe, ouais, ça va être compliqué. Vous êtes en sens inverse, vous avez fait vraiment la n'importe quoi. Ça... Moi, c'est pas moi, hein. C'est vous. Hein. Moi, je... Oh putain, c'est Patrick en plus. Aïe, c'est pas... je le connais, ça devrait faire. Bon, ça va. Descendez de la voiture. Ah, bonjour, monsieur, vous descendez de la voiture tout de suite. Oui, bonjour. Allez, Patrick, ça va? Oh, bonjour, salut Trunks, comment ça va Trunks? Oui, bah tranquille, je faisais tester le véhicule, tu sais, vu que c'est un aéroport abandonné, on fait une petite chose tranquille. C'est pas abandonné, hein. C'est plus abandonné du tout, hein. Bah, que t'es devenu c'est chinois, qui, t'es marqué. C'est permis de conduire de suite, permis de conduire. Moi, oui, je l'ai pas, c'est l'inspecteur qui l'a. Bah, qui vous a permis de conduire alors? Bah, c'est moi. C'est toi, t'as le permis de conduire toi? Bah bien sûr. Donne-moi ton permis de conduire. Non, ton permis, pas ton doigt, ton permis de conduire s'il te plaît. Je vais vous le donner, tenez, il est dans la main, vous voyez pas? Mais non, tu me pointes du doigt là. Ton permis. Là, il est là. Écoute, tu vas me suivre au poste si tu continues. Ça mais va écoutez, pas drôler. Nous ce qu'on fait c'est qu'on j'ai pas demandé son avocat, j'ai pas demandé son avocat là. Donc tu te pousses. Mon élève, tout de suite. Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors. Vous avez le permis de conduire monsieur? Bah non, c'est lui qui l'a. Mais comment ça c'est lui qui l'a? C'est vous qui conduisez. Mais monsieur, vous savez pas, vous savez pas lire, c'est écrit auto-école derrière là. Venez voir. Non. Ah oui. C'est comment ça, c'est... Non bah oui parce que non, je suis non. En train de passer mon permis. C'est toi qui conduire ou pas? Oui, parce que je passe mon permis avec l'inspecteur. Oui, mais qui t'a permis de conduire? L'inspecteur, c'est lui. C'est qui? Lui, l'inspecteur, lui? Oui. Alors, monsieur... On dirait un inspecteur au fisc. C'est pas comme ça qu'on s'habille pour passer le permis, monsieur. Alors, déjà, je m'habille comme je veux, comme vous avez votre tenue de shérif. Ça va pas. Vous avez vu, vous étiez à combien, monsieur? On respectait la limite. Vous étiez à combien, vous savez, monsieur, ou pas? Bah oui, on est à 90, comme c'est écrit ici. Hein, 90, non, moi j'ai le compteur là sur la moto, j'ai vu combien t'es. Hein. Ah. Moi j'ai vu combien t'es.
Oui, mais bah, est-ce que vous avez la preuve? Est-ce que vous nous avez flashé? Non, monsieur, oui, monsieur j'ai l'agent. Tout. T'as... Bah, montre-moi le compteur. Si, j'ai vu t'avoir 450 km. Ah bah la voiture, elle monte pas à 450 km. Si, 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 c'est si, pas si, possible. Si. C'est pas possible. J'avare beaucoup de connaître les gens comme toi, moi. J'en vois tout le temps. Bah écoutez, là, monsieur, vous nous faites perdre notre temps. Mon élève doit rentrer. Non, non, non. Moi, j'avoir connu des gens comme toi, il y a beaucoup de gens. Ça, c'est turbo, tout ça. Regarde, c'est la Inomo Dynamics. Mais on porte plainte. Bah, là, comment ça, porter l'agent... plainte? Écoutez, monsieur l'agent, Patrick, je te connais, on se connaît. Mais je sais t'es pas qui? Ce que aujourd'hui, t'as un petit peu bu. Hein, t'as mangé des donuts, t'as un petit peu bu. C'est donc, vrai que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller tranquillement au poste. Nous, on va continuer notre leçon. Et voilà. D'accord. Mais. Bah, tu me ramènes une allez-y, bière montez, la prochaine montez, fois. Montez, monsieur, montez. Mais pourquoi tu prends sa place? Bon, ça va pour cette fois, mais doucement les 400 km à l'heure, là. Hein. Allez, accélère. Accélère. Voilà. À droite. Faut faire attention, mais c'est Patrick, hein. Patrick il est un peu sur les nerfs. Alors c'est par contre, que... c'est pas parce que je t'ai dit d'accélérer que tu vas rouler à 150, c'est 130. Ah ok, non parce que moi j'écoute les consignes. Depuis tout à l'heure t'en feras la loi. Ah mais j'écoute les consignes à la lettre. Mais attends, moi je t'ai dit accélère, d'accord? Oui. Accélère ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois accélérer. Et donc pour toi accélérer c'est enfreindre la loi et rouler... Je t'ai pas demandé d'appuyer sur à fond. J'ai demandé d'accélérer. Donc accélérer, c'est rouler jusqu'à la limite. Là, j'appuie à un quart seulement. Ouais, bah là, t'as 130. Mais tout à l'heure, quand t'es rentré dans la voie à 150. Ah, imagine, il y a un camion, tu fais comment? Bah, je l'esquive. Enfin, je... Oui. Ok. Non? Tu l'esquives. T'es pilote Formule 1. T'es Hamilton, quoi. Ah bah non, c'est pas ça, mais je veux dire, bah j'essaye de pas faire d'accident, quoi. Donc là, ce que tu viens de faire, c'est doubler par la droite. Bah je double pas, je reste à ma place. Tu viens de doubler de véhicule à gauche, on est d'accord. Oui, mais non, parce que je reste à ma place, là. Genre, je vais pas à gauche. Donc sur le code de la route, c'est écrit de doubler par la gauche. Là, il de double par la gauche, il est à droite. Pourquoi t'accélères? Tu fais quoi? Tu freines? Freine? Mais non, pourquoi? Mais freine. Bah, le véhicule te double à gauche, c'est interdit. Ouais. Si t'as envie de doubler toi aussi, tu vas sur la voie de gauche. Mais j'ai pas envie de doubler, je veux rester sur ma voie et rouler. Et bah tu restes sur ta voie. Voilà, et bah je roule à la vitesse autorisée, 130, hop. Tranquille. J'ai le droit ça. Tranquille. Non mais est-ce que j'ai le droit? Non, t'as pas... Oh my god. Bah je comprends rien au code de la route. Freine. Ok. Waouh. Wow. Au secours! À l'aide! À droite. On va rentrer vite. Comment à gauche. On rentre comment? À gauche. À gauche. Le code de la route. Ah, je oh là 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 là! Je comprends pas. Alors je dois faire quoi? Mais je comprends plus. Ok. Je fais rien. Arrête. Ça y est. Il y a eu un petit mouvement de foule, mais tranquille. Ok. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas dans ce code, c'est si je roule sur ma voie, je dépasse pas, j'ai le droit de rouler à 130, non? Tu n'as pas le droit de rouler à 130. Quand il y a un véhicule qui dédouble, tu dois le laisser tout simplement s'engager, se remettre devant toi. D'accord. Et tu dois décélérer, tout simplement. Ah, je décélère. On t'a pas appris? Non. Alors là, tu vas aller à gauche. Ok. Non, mais le feu est rouge. Je comprends plus, hein. Je t'ai dit, tu vas aller à gauche. Je t'ai pas demandé d'y aller maintenant. Ah, mais moi, j'ai compris que je devais y aller maintenant, c'est pour ça. Mais non, le feu est rouge, bordel. Enfin, il fallait préciser quand le feu sera vert, parce que... Le feu était rouge. Il était orange. Non, c'est interdit de passer au feu orange, c'est interdit. Ah bon? Mais ça, je le savais pas. Moi, je pensais qu'on... Feu orange, bah, une fois qu'on est engagé, on passe, quoi. Non, feu orange, c'est interdit par la loi. Tu ne peux pas aller dans le feu orange, à part en cas d'urgence. Wow. Bah, il passe au feu rouge. Il passe, c'est son problème. Ah bon? Ah, d'accord. Bon, bah, c'est son problème. Mais, du coup, le feu orange, il sert à quoi? Tu connais pas ton code.
Si, mais moi, je connais mon code par cœur. Et je peux même te citer l'article, c'est l'article 412-331. Qui dit quoi? Qui dit que le feu orange, appelé aussi feu jaune, c'est un feu d'arrêt. D'accord. D'accord. Donc on s'arrête. À part si par exemple, derrière toi, il y a un véhicule qui est prêt à te dégommer, à te foncer dessus. Donc là, tu peux te permettre. Parce qu'il y a un danger derrière toi. Tu peux franchir à certaines exceptions. C'est toléré. Et tu fais quoi là? Je suis en train de boire. C'est interdit de manger et de. Pendant tu conduis, t'es au courant. Manger, oui, mais je suis en train de boire. Mais manger ou boire, c'est la même chose. Bah non, parce qu'en fait, j'ai un casque sur la tête avec des canettes sur le côté et un tuyau qui vient jusque ma bouche. Ah bah moi je vois pas de casse sur ta tête, donc à part si t'es fou... Bah c'est normal, j'ai terminé les canettes. Bah depuis tout à l'heure, depuis qu'on se parle, il y avait rien. Bah t'étais très chelou. Hein. Je pense que ça va être un échec là, c'est annulation totale. Là, c'est... Du coup j'ai mon permis ou pas? Alors déjà vous allez arrêter d'accès. Wouah. Bah moi j'ai pas mon permis, je peux pas faire de constat donc je m'en vais. Aidez-moi! Aidez-moi, monsieur! Il fait quoi, lui? Aidez-moi! Attends, j'étais KO, frère, à un moment donné. Non, mais attends, Eunine. Toi, tu me dis quoi? Je respecte pas ça, et tu m'arrêtes jamais, genre tu me laisses continuer et tout, mais... Mais tu sais que c'était trop galère de te faire les trucs.